Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Orphan, l'héritage du sorcier ou Sion of Sorcery. Bah oui, le jeu n'a pas été traduit lors de sa sortie en France. C'est un jeu donc basé sur l'anime Orphan, sorti en 98 à 99, et qui a une seconde saison de 99 à 2000 appelée Orphan The Revenge. Nous en France, nous n'avons que la première saison. Il existe aussi un manga datant de 98 comptant 6 tomes. Là, par contre, on l'a pas eu. Donc, je vous laisse l'intro, là. Allez, on se retrouve après. Et voilà, donc c'était l'intro, ouais, elle est classe, pour le problème, c'est que la musique est pas top, hein. On a la version américaine, comme je vous ai déjà dit, et le problème, c'est que je sais pas si dans la version japonaise, c'est la même musique, ou bien si on a une chanson. Donc alors, on n'a pas grand-chose, donc on a pour le moment seulement continuer l'histoire, réglage de la vibration de la manette, là c'est l'entraînement, en fait, c'est un stick et les commandes, et nouvelle partie. On va faire une nouvelle partie. Bon, là, par contre, je vous passe les cinématiques, hein. Alors, on vous passe la cinématique. C'est considéré comme le premier RPG de la PlayStation 2, car vraiment sorti au tout début de la console, c'est en 99 au Japon, en 2000 chez nous. Bon, comme je vous ai déjà dit, le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il est arrivé en Europe. Tout le monde a eu la version en anglais, il n'y a pas eu de traduction, sous-titrage ou doublage. Donc on sait pas trop ce qu'il raconte. Enfin, j'ai jamais trop écouté ce qu'il racontait dans le jeu, alors. Donc c'est bien si on retrouve à peu près donc les protagonistes de la série. Ça ne reprend pas l'histoire de la première saison ni de la seconde, c'est une histoire originale. Et en gros, Orphan et sa bande vont se retrouver sur une île déserte après le naufrage de leur bateau. Et ils vont devoir aider trois personnages. Pour donc dénouer l'intrigue de l'histoire, quoi. Et bien sûr, donc pour avoir la vraie histoire, la vraie fin du jeu, il va falloir finir trois fois le jeu, c'est-à-dire avec chaque compagnon différent. Là par contre, là, les cinématiques en 3D, on peut pas les virer. Pas tant que ça passe. Là, c'est le personnage que j'aime pas trop dans la mise. Il y avait toujours une dispute parce que Orphan dans le jeu de l'argent, un truc comme ça. Enfin, je sais plus dans quel sens c'est, ça fait un bail que j'ai pas vu la mise. Allez, patata, débrouillez-vous. Ils vont se brouiller, ouais. Ça m'énerve, ça, je peux pas couper. Enfin, je crois que je peux couper une fois que j'ai recommencé le jeu à zéro, mais je suis pas sûr. Enfin, quoi, une fois que j'ai une sauvegarde de fait. Sinon, pour un des premiers jeux de PlayStation 2, bon, les personnages restent encore assez cubiques, mais dans l'ensemble, bon, ça reste assez beau, quoi. On est un peu au-dessus de la Nintendo 64, on est bien loin de la PlayStation 1, mais bon, on voit que c'est vraiment les prémices, hein. Les personnages sont encore assez rondouillards, c'est-à-dire, un an après, on pourra déjà...
Quand même, quelques mois après, on fera déjà du meilleur sur Dreamcast. Quand même, on fait déjà du meilleur sur Dreamcast, pour dire. Ouais, je joue sans son, donc je sais pas si je vais bugger ou pas, mais non, ça a été. Ouais, j'entends pas le son, stop, d'avoir une meilleure qualité, pour ma voix et tout, qui entend quoi sur mon jeu. Allez, là c'est les deux apprentis de Orphan. Allez, c'est bon. Donc ouais, c'est d'ailleurs, je crois que c'est considéré comme le premier RPG de la PlayStation 2, faudrait vérifier ça. Comme c'était un des tout premiers jeux de PlayStation 2, mon premier c'était Gran Turismo 3, parce que je l'ai eu en pack avec la console. Mais ça c'est vraiment un des premiers jeux que j'ai dû acheter, je crois que j'ai dû l'acheter à l'époque, 5€ même pas. Ouais. Parce qu'on s'est encore en France d'ailleurs à l'époque. Je sais plus combien j'ai acheté, mais je sais que c'était une misère. J'avais acheté un Micromania. Allez, c'est long. Ah voilà. Allez, arrêtez de papoter, moi je voudrais jouer. D'ailleurs, c'est un petit m'énerve pour les RPG, surtout. C'est... Moi j'aime bien, c'est comme je vous ai déjà expliqué, moi les RPG, j'y joue. J'y joue pour me détendre, quoi, pas pour... J'en ai rien à foutre des histoires dans les RPG, moi ce qui me compte, c'est flinguer du monstre. Et alors, quand ceux y en a qui ont peut-être un rallonge et qu'on peut pas couper, ça, ça me gonfle. C'est vrai, moi je suis capable de finir un Final Fantasy sans rien piquer l'histoire. Ah, ça c'est un des trois personnages. Et on a une sorte de gros guerrier, qui s'appelle le Buzz, un peu comme ça. Enfin, il y a une fille, danseuse. Et enfin un musicien. Et hop, donc là on est bloqué. Et ça pas plus encore. Ouais, donc, on est bloqué, on doit aller par là. Ça déclenche encore une cinématique. Ah, ça, surtout dans les RPG, ce qui me gonfle, c'est les RPG où au début, t'as une cinématique que deux points. C'est-à-dire, t'avances une cinématique, t'avances une cinématique, t'avances une cinématique. C'est au bout de, il faut compter un quart d'heure, 20 minutes avant de pouvoir affronter au moins un adversaire. D'ailleurs, là, je suis doué de quoi, parce qu'il y avait toi 10 000 de vidéos, j'en prends, du même pas qu'on peut réellement jouer. Il y a rien dans cette pièce, là, c'est bien quoi. Bon, ils nous ont fait une cinématique pour ouvrir le coffre, alors qu'ils auraient pu faire simplement ouvrir le coffre, donc on ne voit pas ce que tous les RPG. Bon, voilà, un petit peu de soin, je crois. Hop, on sort. Allez, on récupère ça, le bateau va prendre l'eau. Ça va nous libérer le passage de l'autre côté. Et, hop, du coup, tu prends. Je commence à devenir plus rapide que d'habitude. Ah, bah, je suis. Ouais, le bateau a pris l'eau. Et ça nous a dégagé les caisses. Mais bon, il reste encore un coffre à récupérer. Sauvegarder, le... Ben non. Retour au jeu, ouais. Voilà, allez, il y a quoi dans celui-là? Mais bon, moi je trouve que ça fait plus jeu d'aventure que jeu de RPG. Ah, ça c'est le deuxième personnage, la fille. Allez. Je crois que c'est long. Allez, 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 allez. Oh, wow! Enough! We've got to get out. Micro qui me gueule dans les oreilles. Yeah, totally. Allez, hop. Je vais baisser un peu le son du micro parce que j'entends. Voilà, enfin mes écouteurs. Oh, y a rien. En face. Ça papote encore. C'est ça, c'est déjà. Je crois que c'est une des raisons pourquoi je ne fais pas du RPG. Enfin, j'en fais très peu. Parce que justement, ça papote tellement qu'on. Faudrait faire une vidéo d'une heure et moi, ça me saoulerait au bout d'une heure. Voilà encore un machin à la con, hop on sort. Donc, ouais, les caisses elles sont arrivées au fond du bateau donc on peut pas avancer par là. Oh, no.
Et on veut bientôt apporter un premier boss, mais je sais. Hey, you two, what the hell's going on here? Ah, les deux frangins, là. Well, je me fais marrer, c'est une con qu'ils doivent avoir dans les 16 ans ou un truc comme ça, alors qu'ils ont des gueules de gamins du temps. Ça faudrait vraiment que je m'en remette la série. Je prendrais peut-être le coffret DVD dès que je trouve. Là, d'ailleurs, lors d'un marché au pute la semaine dernière, le mois dernier, j'avais trouvé un des OST la seconde saison. Ça, c'était vraiment pas mal. Ah, le premier boss, c'est un crabe géant. Ah, tiens, sur Edge. Sur HDG, il avait fait un post sur les crabes dans les jeux vidéo. Tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé à celui-là. Allez, hop. Mais d'ailleurs, si tout se passe bien, le 8 décembre, je serai peut-être à la Edge Convention 2.0. Enfin, pour que j'envoie quand même ma confirmation. Parce que là, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'y conduire. Ça, c'est bien. Et voilà. Premier combat, directement contre un boss. Et hop, éclair. GG, allez, t'es un peu de gâche, toi. Bon, les combos sont assez simples, c'est il suffit de tirer là où ça cible. Avec carré, on peut se protéger avec un bouclier. Et avec rond, on peut envoyer un spécial. Et avec triangle, on envoie son attaque de base. Et pour ce qui est de croix, c'est juste une protection corps à corps, c'est un coup d'épée. Il va crever, ouais. Ici, si on peut rester à charger nos attaques, je vois bien. Il est très frappé. Il va crever, ouais. Ça y est, j'ai eu. On aura un deuxième round juste après. Allez, c'est long. Alors là, c'est simple, j'ai shooté avec la poudre, ce sera plus rapide parce que attaquer normalement. On peut charger notre tête. C'est bon, je crois que j'ai plus. Ouais. Ça va plus comme ça, hein. D'ailleurs, je trouve que l'écran est mal placé, j'ai pas l'impression qu'on voit mes points de vie, quoi. Si j'ai encore ça comme bonus. Je sais plus. Ah, j'ai un nouveau bouclier, ouais. D'ailleurs, un bouclier comme ça, ça fait très ultra mal. Allez, voilà, allez. C'est bon, t'as compris, allez, hop, on va continuer, moi. Hop, des fois que c'est long. Ça casse le rythme, des scènes comme ça. Orphan, are you okay? Master, where were you two? Ouais, ça va pas encore, sûrement. Oh, une autre cinématique. Comme si ça se pouvait pas. Allez. Allez, écoute-moi. I'm soaked. Oh no, we're sinking. Allez. On va. Il y a quelque chose, non. Il y a des barils. On va se contourner pour monter ce palier. Allez. Allez, monte, voilà. C'est pour moi sorti. Putain, mauvais angle de caméra. Hein. Ah bah voici ici. Ah, un coffre. Il
Voilà, c'est fait. Après quoi? Il y a un autre coffre ici. Eh, il y en avait un troisième, j'avais pas vu. Donc, voilà. Je sais plus où il faut aller, ça fait un bail que je suis pas allé. D'ailleurs, c'est les bons gifs, mais... C'est pas un être humain, ça, c'est Chevreuil Boy. Pour ceux qui regardent Robot Chicken, ils doivent comprendre de quoi je parle. Ah, bah, c'est vrai. C'est vrai, il y a quand même des boires sinon, là-dedans. Allez. There's two doors. Okay, let's take the door on the right. No, I don't think so. D'ailleurs, je vous conseille quand même de voir au moins la première saison d'Orphan, elle est vraiment pas mal. En fait, dans cette première saison, il chasse un dragon, qui en fait se révélera être, ben, ça, c'est à peu près de début, qui en fait, sa fiancée qui est transformée en dragon. Et il cherche à la fois à la sauver et à tout le coup à la tuer, s'il n'y a pas d'autre solution. Ben, c'est une mémoire, hein, je suis plus sûr de rien. Alors, ils sont barrés, et moi je sais pas où je dois aller. Non, je sauve vers quoi? J'ai dit non! Ah là. Il est dehors. Quand tu mets le ticket tous les coups, parce que je suis bloqué. Ouais, dégage toi, voilà. Ouais, des fois, il faut avoir des petits combats comme ça. Ouais. Voilà, je parle de ce que je parle avec elle, au moins je sais que je rencontrerai pas le Minotaur parce qu'il me semble qu'avec le gros baraqué, le premier boss qu'on rencontre, ça sera le Minotaur et il y a un possible abat sans l'épée qu'on a à la fin du jeu, quoi. Donc on va jouer en game plus pour pouvoir le battre. Enfin, moi, c'est la seule méthode que j'ai assez à faire. Allez, grouille-vous, c'est pas que ça à faire. J'ai toi 20 minutes de jeu. Looks like this ship is going down. Oh no, not when I'm so close. That amulet. Allez, bah parce qu'en fait, avec du mal expliqué, c'est qu'il faut faire trois jeux, mais chaque partie faut apprendre un des trois compagnons et chacun franchement. Looks like you've got the hots for her. What? Of course not. Allez. How can you say that? This is me déplacer, moi j'en ai marre à côté. Whatever. She's going to need more protection than you can provide. So you non, ça reste un bon jeu, mais le problème c'est toutes ces scènes de blabla. Premier gros boss, sorte de Kraken Léviathan, enfin un monstre gigantesque. What is that? Allez hop. Bah, de toute façon, je vais faire le combo contre le premier boss, puis après, on arrêtera. On arrêtera quand on sera sur, sur les baies vertes. Hop. Il est où? Il arrive là-dessous. Ah, ça fait. Allez. Oh merde. Je vois même pas mes points de vie, donc je sais même pas si je suis trop grand, tu vois. Retour à la bataille. Et protège-toi, Brody. Ah, faut savoir bien déplacer les boucliers. Hein. Et protège-toi, voilà.
Encore trop facile, allez hop. Il est long comme boss en plus. Attaque là. Ah si, ouais, c'est pas du tout les mains. Allez hop. Non, sans doute le jeu est pas mal, hein, mais bon. On est vraiment au début de la 3D de la... On est vraiment au début de la 3D de la PlayStation 2, mais ça reste très potable. Hein. Je trouve que ça a pas trop mal vieilli. Si on est bien assuré, l'ambiance est pas mal. Mais bon, qui les gens ce boss? Ah, je crois qu'il m'a tué là, non? Ah bon, ça va. Et ça, ça fait... C'est un peu bizarre, c'est un monstre électrique et seulement je le bats, il lance la foule. Allez, il va crever, ouais, saleté. Le deuxième mort. Et il est bientôt mort. Allez hop. Il reste plus qu'un mort. Ouh, c'est long. Allez. Alors là, il est bientôt mort. Allez. On bourrine et ça devrait passer. Il va crever, ouais, ça te me crève. C'est bon là, j'ai eu. Il y a plus de vie là, il est mort. Ah tout de même. Ah ça c'est bon, des boss comme ça. Bon je dis pas qu'il faut claquer les doigts pour battre un boss, mais bon. Tout là, son pattern est régulier quoi. Ça fait au moins, enfin bon, ça fait des années que j'ai pas joué à un jeu et pourtant je me rappelle encore des patterns. Donc voilà, on a fini le niveau du bateau. Bon il a pas encore un truc. Allez. Voilà. The Bolt of Thunder. Pas une nouvelle attaque électrique. Donc de toute façon là, on va se retrouver sur l'île et on s'arrêtera là. Allez. Et patati, et patata, et patata, patata qui... Ça me gonfle, ça me gonfle... Putain, pourtant j'aime bien jouer à des RPG, mais... Bon, puis on passe aussi... Comme ça, je ne spoil pas l'histoire... Et voilà, donc on se retrouve sur l'île, et donc on va s'arrêter ici. C'était donc Orphan... Attendez... L'héritier des sorciers... Sorti donc en 99 au Japon,
en 2000 en Europe. C'est donc édité par Activision et développé par ESP et je sais pas quoi parce que le nom est marqué en japonais. Et c'est publié, et c'est édité en France par ATV France et ça irait. On est bon. Donc voilà, on se quitte là-dessus, donc voilà, un peu de blabla, puis on va se quitter. Wasn't the ship bound for Chaos Island? Arvin Rama is in the opposite direction. Vulcan must have got us on the wrong ship. Oh damn. On finit leur blabla, puis on se quittera là-dessus. Hein. Toi, c'est un bon jeu, je vous conseille, mais bon, faut déjà aimer le manga pour aimer le jeu. Mais non, parce que même, je crois que même si on connaît pas le manga, il serait sympa, mais bon, c'est sûr qu'on aura du mal à comprendre avec... on va se quitter là-dessus, donc. Ouais, le seul défaut, c'est justement que le jeu n'est pas traduit, et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc on se quitte là-dessus. Allez, à plus, c'était donc Orphan sur PS2. Et donc on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, et sûrement le lendemain, parce que si j'ai un bon week-end, on s'en fera sûrement d'affilée. Allez, bye.